Je dois dire aussi que avoir, pour les gens, avoir quelqu'un qui vient d'un pays capitaliste sous la main, c'était une aubaine, c'était une ouverture. Raconte comment c'est chez toi. Ils aimaient regarder tout ce qu'il y avait dans mes valises aussi. Et ils avaient beaucoup de mal à comprendre quand même pourquoi on me laissait partir alors que j'avais tant de choses chez moi. Des élastiques qui ne craquaient pas quand on les tirait, des bandes magnétiques qui ne craquaient pas non plus. C'était fantastique. Pourquoi est-ce qu'on la laisse partir? Alors qu'il allait partir toute seule, sans personne pour la surveiller. Ça, c'était très suspect. J'ai mis très longtemps avant de pouvoir surmonter ça. Mais j'ai eu, comme chaque fois, disons, beaucoup de chance, parce que je suis tombée sur des gens extrêmement gentils, qui ne m'en ont pas voulu, qui ont bien essayé de voir un petit peu si j'avais de la famille dans la politique ou ailleurs. Mais bon, ça a fait chou blanc. Et en revanche, oui, j'ai été mise aussi sur la voie du chamanisme par un des informateurs bourriates avec lesquels m'a mise en contact la collègue dont je parlais tout à l'heure, qui m'a montrer comment on créait un rituel de ruban dans les arbres. Bon. Eh bien, cet informateur, c'était un vieux monsieur qui s'appelait Sergei Petrovitch Baldaev, qui avait été ennemi du peuple pendant la guerre. Il avait fait évidemment des séjours dans les camps et il avait été interdit d'un tas de choses, etc. C'était autrefois un folkloriste, il avait recueilli énormément de données, mais là, pendant les années 30, alors qu'il avait collaboré avec le régime au départ, puisqu'on lui disait « c'est possible de noter nos traditions », il en avait noté et il disait « nos traditions sont drôlement chouettes, je veux les faire connaître ». Et ça lui avait été reproché. C'est comme ça qu'il était devenu ennemi du peuple, donc le cloître est chez lui parce qu'il avait 70 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Mais il était absolument charmant, très ouvert. Il m'avait communiqué, il était content de parler aussi, communiqué des tas de manuscrits qu'il avait et qu'il n'avait pas pu publier sur le chamanisme féminin, sur des choses de ce genre. Et il se trouve que, alors là je fais un bond dans l'histoire, il avait un fils, et ce fils, je ne le savais pas à l'époque, ce fils était milicien, il était gardien de camp. Et voilà qu'en 90, ce fils m'écrit en me disant « Vous connaissez bien mon père, il m'avait parlé de vous, maintenant le régime est tombé, venez me voir, je suis à Saint-Pétersbourg. » Donc, je vais le voir à Saint-Pétersbourg. Et là, il me montre des planches qu'il avait faites pendant son séjour à la milice. Et il dit, voilà, moi j'étais ennemi du peuple, donc je n'ai pas pu aller à l'école normale. Je suis allé à l'école de la milice, dans les camps. J'ai vécu toute ma vie dans les camps. Et mon père m'avait toujours dit que c'était très important de noter ce qu'on voyait. C'était un héritage du patrimoine, etc. Lui savait écrire, moi je ne savais pas lire, mais je savais dessiner. Et donc, il a noté tout ce qu'il voyait dans les camps. Et il me donne donc un album, comme un album de photos, dans lequel il avait mis des photos de toutes ces planches de dessins, sur lesquelles il avait dessiné d'une part tous les tatouages des détenus. Il était allé dans différents camps, et il y avait donc différents tatouages. Et d'autre part, il avait fait des bandes dessinées qui racontaient la vie dans les camps. Et alors, il me donne ça, c'était admirable. Les tatouages étaient classés par catégorie. Les tatouages
religieux, les tatouages, franchement, directement politiques, les tatouages homosexuels, les tatouages satiriques, enfin, les tatouages se moquant des femmes, etc. Bon, il y en avait partout, des tatouages. Et ces bandes dessinées, alors, elles étaient particulièrement horribles, mais en tout cas, ils me donnent tout ça et en me disant « Débrouille-toi pour les publier, je veux de l'argent. » Bon, alors je lui ai donné ce que j'avais sur le moment même et je lui ai dit « Je vais voir. » Au retour, au début des années 90, donc le rideau de fer était tombé, je me dis « J'essaye différents éditeurs. » Je prends contact aussi avec des spécialistes des camps. Il y avait Michel Heller qui était un grand spécialiste des camps qui m'a dit « C'est une documentation admirable et c'est très exact, on voit cette classification qui était au départ, le fils de Baldaïef l'avait conçue comme ethnographique, hein, la classification des tatouages. Cette classification est très intéressante, je reconnais tous les camps où il est allé, mais voilà, j'en ai marre de ces histoires et maintenant le rideau de fer est tombé, je ne veux plus en entendre parler. » Et j'ai fait comme ça plusieurs éditeurs et rien du tout. Donc, c'est resté dans mon placard pendant 20 ans. Et, enfin, pendant pas tout à fait 20 ans. Si, 20 ans. Et puis, il y a une étudiante, un jour, une étudiante de Nanterre, qui me dit, voilà, comme vous savez, le musée des arts et traditions populaires du Bois de Boulogne va déménager à Marseille. Et ça va être un musée pour, finalement, l'Europe, etc. Donc, est-ce que vous avez des choses sur la Russie ou, parce que, bon, la Mongolie, ce n'était pas question, mais la Russie. Et alors, je lui dis, moi, non, je n'ai pas grand-chose, mais là, j'ai un album qui peut peut-être vous intéresser. Et alors, elle s'est prise de passion pour cet album et elle a trouvé un éditeur remarquable, les éditions des Sirtes, qui ont fait une édition parfaite, parce que l'album est reproduit à la fois intégralement en facsimilé, et c'est reproduit en traduction par cette jeune femme, et une autre qui était spécialiste des camps, avec la traduction française dans les bulles des bandes dessinées. Moi, c'est une traduction que j'aurais été incapable de faire, parce que c'est du jargon des camps, déjà que je ne le connais pas en français, là non plus. Alors, ça a donné ce livre qui s'appelle « Gardien de camp » et qui est… Donc, je n'y suis pour rien, moi, dans ce livre, sinon que j'ai apporté l'album, c'est tout, et que c'était un de mes anciens informateurs. Mais les deux filles qui ont donc fait la traduction m'ont dit « Mais c'était un horrible bonhomme, quand même, parce que je crois qu'on arrive peut-être à s'habituer au milieu dans lequel on est, parce que pour voir tous les tatouages… que les gens avaient, il y en avait sur les parties intimes, ils se déguisaient en infirmiers pour pouvoir aller voir. Bon, donc voilà. Mais en fait, c'est un document, ça fait partie des choses extérieures, enfin de ces appendices qui se créent autour du travail de chercheurs, qui ne sont pas inintéressantes non plus. Mais en tout cas, toujours est-il que le père Baldaïef m'avait donné des renseignements extrêmement précieux et que ça a été pour beaucoup dans ce que j'ai fait sur le chamanisme. Alors, ce chamanisme, ces enquêtes, elles ont quand même donné lieu aussi à un magnifique ouvrage. Alors, la chasse à l'âme. La chasse à l'âme, oui, elle a été préparée un peu par tout ça, mais je dois dire que le gros déclencheur a quand même été les épopées. Alors les épopées, il n'y aurait pas eu la chasse à l'âme s'il n'y avait pas eu les épopées. Et pourtant les épopées sont un thème difficile à délimiter. Je voyais bien partout que le chamanisme, c'était initialement quelque chose de chasseur, qui était spécifique des chasseurs, mais il y en avait aussi chez les éleveurs. Je voyais que c'était très lié à la chasse, mais je ne savais pas trop pourquoi. Et ce sont les épopées qui m'ont donné la clé. Et pourtant, les épopées, les peuples chasseurs n'en ont pas. Ce sont les peuples éleveurs qui créent les épopées. Mais toutes ces épopées ne parlent que de chasse et pas d'élevage. Donc, il y a quelque chose d'apparemment paradoxal là-dedans, mais qui, en fait,
est extrêmement révélateur de l'intrication entre ces différents éléments, de l'intrication. Les épopées sont un moyen de parler de la chasse et du chamanisme dans un milieu d'éleveurs qui parle de littérature épique et d'élevage. Et donc, ces épopées, je les ai lues beaucoup. On avait la chance que certaines épopées aient été notées dès le début du XXe siècle, en 1906 plus précisément, par un bouriate qui s'appelait Jam Sarano. Et malgré toutes les interdictions qui pesaient sur la notation des épopées. Et c'est l'un des éléments qui m'a vraiment beaucoup stimulée, c'était l'interdit qui pesait sur les épopées, dont pourtant, qui avait pourtant une certaine célébrité, mais on repartait toujours des mêmes quelques versions qu'il y avait notées, alors que c'était beaucoup plus populaire que ça, et parce que chaque fois elles avaient été notées comme par effraction. Et il y avait aussi beaucoup d'épopées qui étaient notées incomplètement, parce que le fils du barde était tombé malade, ou son troupeau s'était enfui, ou quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, il y avait toujours eu un malheur qui avait dit « c'est parce qu'il raconte l'épopée en dehors des périodes où il le faut ». Et donc, c'était vraiment le signal du stop absolu. Et j'ai une mention encore pendant la guerre de quelqu'un, donc c'est très tard, enfin en 1943, quelqu'un qui a refusé de noter l'épopée parce que justement il y avait eu un accident dans sa famille. Il avait commencé, et il a raconté 2-3 chapitres et puis après fini. Mais alors celle qui avait été enregistrée il y a longtemps, ce sont les plus complètes, et donc elles ont été traduites en russe. Alors c'était quand même précieux d'avoir la traduction pour contrôler. Et je les ai lues une douzaine de fois chacune, parce que pour les comprendre vraiment, et parce que je repérais des choses qui s'y passaient et que je voulais en avoir la confirmation. Donc je me disais, tiens, j'avais pas noté ça, mais enfin, la question principale que j'ai repérée comme ça, c'est, étant donné que l'épopée est centrée sur le mariage du héros, quel est son but ? C'est se marier, aller chercher sa promise. Je me disais, si ça représente un système matrimonial, il doit sûrement y avoir un autre mariage aussi. Et alors, j'ai dû relire chacune des épopées pour voir s'il y avait bien cet autre mariage. Et sur une épopée de 12 000 vers, le deuxième mariage fait 2 vers, par exemple. Donc, et c'était la même chose pour les cadeaux. Tiens, il y a tel type de cadeau qu'on donne avec ça, je voulais aller revoir ailleurs. Il y a aussi que l'ennemi du héros, lui, il n'est jamais marié. Il est concubin ou il est compagnon, mais il n'est jamais marié. Donc aussi, il fallait retrouver les endroits où il y avait ces descriptions. Ce n'était pas évident parce qu'on conduit la première fois, on ne sait pas ce qui va être pertinent. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était vraiment un vrai mariage, c'était l'alliance, et que ça représentait, et qu'en même temps on disait, c'est la plus difficile des campagnes du héros, et des campagnes, en sous-entendu, de chasse. Se marier, aller chercher la promise, donc c'est une première chose qui m'a fait penser, tiens, il y a un rapport entre femme et gibier, enfin entre mariage et chasse. Bon, mais ce qui était plus déterminant pour cette hypothèse-là, c'est que les épopées devaient impérativement être racontées la veille de la saison de chasse et la veille de toutes les grandes battues, alors que c'était absolument interdit, sous peine de faire tomber des orages ou d'avoir des catastrophes, si on la racontait l'été et de jour. Donc c'était des épopées qui se racontaient la nuit et pendant la saison de chasse, c'est-à-dire à peu près entre octobre et avril. Et donc les gens sont là et sont à moitié couchés, puisque bon, il n'y a pas de siège dans les yourtes, hein.
On est donc couché et on dort plus ou moins. Tout le monde est là, les enfants, les femmes, donc tout le monde entend, tout le monde les connaît. Et en fait, évidemment, ils dorment beaucoup, le barde dort aussi. Et il y en a qui continuent comme ça, en dormant, en hochant la tête. Le barde, il est couché, il est appuyé sur le coude droit, sur un oreiller spécial. Donc, c'est aussi tentant de dormir. Et alors, il y a toujours quelqu'un qui, dans l'assistance, doit se mobiliser pour le relancer. Bon, mais ça peut durer 7 jours de suite. Hein. Oui. 7 nuits de suite, pardon. Et donc, c'est cette coïncidence entre le fait que c'est absolument nécessaire de le raconter en liaison avec la chasse, que ça raconte une histoire de mariage. Je me suis dit donc, il y a un rapport entre le mariage et la chasse. Et tout ça, c'est entre le mariage et la chasse, mais en même temps, pourquoi dit-on chamaniser l'épopée, pourquoi dit-on toujours qu'il y a quelque chose de chamanique dans le héros, etc. En fait, il n'y a que des chamanesses dans l'épopée, et ces chamanesses sont toutes méchantes. Hein. Elles commencent par découper vaincre le... Enfin, dans certaines... Pas dans toutes les épopées, mais dans une catégorie d'épopées, celle que j'ai appelée les épopées à sœurs, parce que le héros a une sœur, mais il n'a pas de parents. Et le deuxième mariage qui se passe à la fin, c'est le mariage de sa sœur, mais expédié donc en deux vers, avec un bonhomme qu'on connaît à peu près pas. Et les autres épopées, ce sont des épopées à pairs, donc... au thème du mariage s'ajoute un thème de vengeance parce que le père, on sait qu'il existe, mais il est prisonnier ou bien il a été tué, etc. Et donc, il faut que le fils le venge. Et là, dans ces épopées à père, le héros n'a pas de sœur. Donc, ça doit être un autre mariage. Donc, il fallait trouver quel était l'autre mariage. Mais en tout cas, le mariage reste absolument indispensable. Et il y avait donc toute cette correspondance entre femmes et gibier, mais ce qu'on savait aussi, c'est que si chez les éleveurs, c'était l'épopée qui préparait la chasse, chez les chasseurs, c'était un rituel chamanique qui préparait la chasse. Et dans ce rituel chamanique, eh bien, tout montrait que... et en particulier le vocabulaire du chamanisme lui-même, montrait qu'il y avait aussi le même genre de choses, puisque les pas, les gestes du chaman, mais surtout les gestes du bas du corps, le verbe chamaniser dans les langues tungus veut dire remuer l'arrière-train, remuer le postérieur, remuer les jambes arrière. En yakout, c'est saba en tungus. Chez les yakout, c'est oyun, ça veut dire sauter, faire des petits bonds. Chez les bouriat, il y a le verbe beurur que je disais tout à l'heure, qui est donner des coups de tête, donner des coups de corne. Bon. Et il y a d'autres verbes aussi pour d'autres mouvements du chaman qui veulent dire trotter ou bien sauter. Et c'est toujours ces verbes qui sont des mouvements d'animaux, et ce sont des mouvements d'animaux à l'époque du rut. Et c'est très clair que c'est ça, véritablement. Et donc, ça mettait sur la piste aussi d'un mariage chamanique, mais sous forme animale, ce qui était confirmé par le fait que le chaman porte un costume en peau de renne ou d'élan, et par le fait aussi qu'il porte une ramure de renne, une ramure de cervidé sur la tête. Il a la couronne, et ensuite de là part une ramure de cervidé. C'est ce qui est rentré dans l'imaginaire européen, à peu près dès le départ, mais c'est rentré par des images qui étaient
qui n'était pas juste au départ une image en particulier d'un Hollandais qui s'appelait Vitsen, au début du XVIIIe siècle, qui représente de vraies ramures. Ce ne sont jamais de vraies ramures, ce sont des ramures artificielles faites en fer la plupart du temps, parce que c'est un homme qui doit faire l'animal, faire comme s'il était un animal, faire comme s'il était un renne, puisqu'il va finalement se mettre en état de rut pour épouser l'esprit femelle qui va lui permettre d'avoir du gibier. Alors, le mariage est même parfois extrêmement concrètement représenté, puisque chez les Chors, qui sont une petite population de l'Altaï, eh bien, le tambour, il est posé sur un siège, enfin, il est posé entre le père et la mère du chaman, mais il a un foulard de paysanne russe autour de la tête. Ça montre bien qu'il est considéré comme une femme et il doit le rapter comme on rapte les femmes, l'enlever pour faire cette cérémonie. Donc, il y avait tout un faisceau de choses qui montraient que le chaman, que ces épopées qui retraçaient le mariage, comme, enfin la chasse comme un mariage, l'équivalence entre la chasse et le mariage, devait être ainsi étendue au chamanisme, qui était un mariage du même genre. Et le chaman, c'est souvent, c'est jusqu'au Népal, où on voit que le chaman est considéré comme gendre des esprits. Là aussi, on voit par exemple dans l'Altaï, il y a aussi une population dans laquelle le fusil s'appelle le gendre. Bon, donc on voit bien que cette idée de mariage, alors c'est le gendre ou le mari selon les cas, mais en tout cas, c'était aussi d'ailleurs cet aspect enfin, qui a été appelé. De tous les noms, mais enfin, il y a des gens qui l'ont appelé érotique du chamanisme, il est vraiment repérable dans la littérature. Ceci dit, il n'était pas du tout repéré, sauf par une personne qui s'appelle Leo Sternberg, qui avait mentionné ça dans un article de 1925 qui s'appelle « Divine Election », qui avait été présenté au Congrès des Américanistes en 1925, et où il parle justement de cette femme surnaturelle qui est épousée par le chaman. Mais Eliade le mentionne aussi, mais sans se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, disons. Oui. Et autrement, ça avait été complètement effacé par la pudibonderie aussi bien de tous les gens qui avaient enquêté là-bas, qui n'osaient pas. Mais Madame Falk avait écrit un petit article où elle racontait comment il y avait comment, un discours qui était prêté à un esprit qui disait au chaman « Bon, je t'aime et je veux que tu sois mon mari ». voilà. Donc elle était bien consciente aussi de cet aspect-là. Mais disons, moi, ce qui m'a permis de faire le lien entre les choses, c'est aussi certainement ma préparation lévi-straussienne. J'ai toujours, d'ailleurs, été étonnée que Lévi-Strauss n'ait pas pensé à ça. Parce que vraiment, ça lui allait tellement bien. Ça lui serait allé tellement bien d'imaginer, lui qui a imaginé beaucoup de... Enfin, qui a étudié beaucoup de choses, en tout cas avec les mythes, etc. C'est quand même l'alliance qui était son thème privilégié. Moi, c'est le bouquin dont je me suis le plus servi, c'est « Les structures élémentaires de la parenté », parce que justement, il montre comment l'alliance est un système qui entraîne plein de choses. Et que ce n'est pas juste un mariage, l'alliance, c'est beaucoup de choses. Et j'y suis revenu après à d'autres propos. Comment Lévi-Strauss n'y a pas pensé, je me suis dit, j'avais envie de lui faire un cadeau. Et bon, alors je lui ai donné, mais il l'a lu, mais d'après ce qu'il m'a écrit, c'est pas vraiment ça qu'il a repéré.